Voilà. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin, si, je connais la raison, mais Je quand peux même, parler, s'il te donne-moi plaît? ta version des faits! Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Oui, bon, ça se comprend en même temps. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mère. Je l'ai même aperçue, mais un veilleur m'a repérée et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein? Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais, mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. C'est compliqué. Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. Mais de rien. Maintenant, il faut pister la charognarde. Qui est... Appuyez sur R1 quand le réticule est sur des traces pour des marques. Non, c'est comme ça. Alors, examiner, il y a des traces. J'ai la piste. Elle est où la piste? Elle est là. Est-ce que je peux enlever ça? Ouais, je peux enlever ça. Espérant qu'il n'y ait pas d'autres trucs aux alentours. Pour l'instant, non. Si je peux choper de la barbaque en même temps, ça serait cool. En attendant, on va faire de la cueillette. C'est parti loin. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Je vais aller discretos, hein, parce que j'ai pas envie de me faire bouffer un bras. Ok. Encore un peu plus loin. Le berceau de la mer. Est-ce qu'il est magnifique ce jeu? Pourquoi entendre un bruit pas vraiment rassurant? Je trouve des herbes où me cacher. Il y en a justement là-bas. J'ai tué les uns après les autres. Par contre, il faut repérer. Allez. Est-ce que les traces sont là-bas? Sac de soins plein, faudrait peut-être que je me fasse des popos, non? Ça pourrait être bien. Alors, des pièges. Piège électrique, piège explosif. Non, je peux pas en faire pour l'instant. Potion de santé. Bonus de potion. Ouais, il va falloir que je chasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande. Est-ce que ceux-là, je peux les tuer discrètement? Je suis pas sûre.
est partie par où cette charognarde, sans déconner? Puis toi, forcément, je peux pas te tuer parce que sinon je me fais repérer. Bingo! Ah! Bah tiens. J'essaie de me faire un peu de thunes du coup en même temps. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ok. On va remonter, on va pas effrayer ces braves villageois, hein, n'est-ce pas? J'avoue, j'aime merde. Allez, viens ici, petit cochonou. Non! Tu... Voilà. Wow, wow. Oh, ce glitch de la mort, quoi. Et ça recommence. Bon, alors toi, qu'est-ce que t'as dans le ventre? C'est déjà mieux que rien. Alors, bah oui, du coup, je suis revenu là. C'est un peu là-bas, je peux récupérer des cannes de rivage. Continuons à suivre la piste. Du coup, ils se sont tous éloignés, c'est cool. Ça me fait un peu de stuff. Par contre, c'est après pour suivre la piste. On va aller par là. Il n'y a plus rien pour se cacher, mis à part la rivière. Le bruissement des feuilles me réconforte. Tu m'étonnes. Ça devrait être ça. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Bon, j'ai de quoi me cacher de l'autre côté, donc c'est bon. Néanmoins, voilà, on va la jouer safe. Récupère ça au passage. Alors, après, je retrouve les traces qui sont là. Ça les a marqués. Ouais, c'est bon. Non, même pas. J'entends un bruit qui me rassure pas forcément. Il y a quelques petits animaux et les veilleurs ne sont que tout là-haut. Peut-être une chance. Je suis attentive au moindre bruit là. Parce qu'en plus, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas mon casque sur les oreilles, c'est au son de la télé que je me réfère. Donc je reste vraiment, vraiment très attentif. Il y a un raton laveur qui vient de me passer sous le pif, mais non, Osef, hein, je le tue pas. Rien à foutre. Il fait sa petite vie, moi je fais la mienne. Pour l'instant, ça a l'air d'être ok. Il n'y a rien pour se cacher. Bon bah voilà. Voilà. Il scanne les environs. Voilà. Ouh. La vache. Ça a l'air d'être ok.
quand même rester sur mes gardes, hein, parce qu'on sait jamais. Il continue à scanner à cet endroit-là. Y a rien là. Mais il y a les feuillages là-bas. Je vais quand même aller là-bas, mais. Trop tard. Non, 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 non. Tiens, cochonnax. J'en profite. Punaise. Je crois que ceux-là, je vais pas pouvoir me les faire. Tiens. Hello. Je ne fais que passer, hein. T'en fais pas pour moi. Bon, on va essayer de contourner. Ça sera peut-être plus simple. J'ai l'impression que c'est limite plus simple. Eh oui, eh oui. Bien évidemment. Et voilà. C'est quoi ce bruit horrible? Les 30 sud. Voilà, je sauvegarde rapidement. Et on va essayer de monter sans se faire repérer. L'autre, j'adore parce que là, vous voyez le petit voyant jaune là en bas à droite? Il hésite là. Il est hésitant. Il sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il n'y va pas? Je pense qu'il s'est décidé de ne pas y aller parce que je m'éloigne. Exactement. Si tu... La voilà. Maintenant, la lance. Oui, bah attends, parce que là, t'as l'autre qui est en train de... Attends, c'est que t'as la charnière juste à côté. T'es... Ok. Allez, petit veilleur, viens ici. Viens ici. Y a rien à voir. Non. Rien du tout. Écoute ta conscience. Supposer que t'en aies une. Mon objectif est juste là-bas, bon sang. Dégage! Je dois être hors de danger. Ah non, tu t'appelles pas l'autre, là. Faut voir le temps. J'en ai eu l'occasion. Bon. On n'aura pas tout perdu. Modification de tenue. Boîte à trésor. What? Pourquoi je peux pas prendre le reste? Boîte de récompense générale. Mais non, mais c'est pas juste. C'est juste parce que mon inventaire doit être plein. Oh! D'accord, donc tout ça, je pourrais leur vendre. Modification anti-gel. Bah non, je vais pas jeter ma tenue, je suis quand même pas de me mettre à Walp. Donc. Ah! Modifier la tenue. Ils me disent enfin que je peux le faire. Non, c'est pas ça. Je peux pas... Sacoche de tenue. Ah! Intéressant. Ensuite, ça, c'est quoi? Sacoche de ressources. Je peux en avoir plus. Ok. D'accord. Mune. J'ai combien de mune? Ça peut aller. Ouais, ça, ça peut aller aussi. On va attendre un petit peu. On va pas tout gaspiller. Provision de long voyage. J'ai pas assez de canne. Il faut absolument que je ramasse des bouts de bois. Ok.
Potion anti-électricité, anti-gel, je peux en faire deux. Et un antidote. Ok, des popos, des popos, des popos à volonté. Des pièges. Je peux en fabriquer deux. Plus même. Voilà. Ça. Bam. Et c'est bon. Je pense qu'on sait bien ce fait là, mais par contre, alors pour modifier vos armes et tenues, appuyez, elle est dans le menu artisanat. Je veux bien, mais le problème, c'est que je peux pas. Ça ne me laisse pas le faire. Et du coup, tu m'empêches de voir là à l'écran. Je ne vois plus rien là. Ok, je vois à peu près où on est. Là, je ramasse tout ce que je peux. Mais très amer. Oui, c'est toujours utile. Ouais. Ah, il y a une échelle. Tchoup. On peut pas dire qu'elle monte doucement. Ils sont combien ?